C'est un plaisir de vous présenter ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision. Madame, messieurs, bienvenue. Ouvrons ce journal avec la cérémonie d'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo prévue ce 20 janvier 2023. Kinshasa se prépare. Et le gouvernement congolais a rendu un hommage mérité à l'héros national Patrice Emery Lumumba, qui était assassiné, ça fait aujourd'hui 63 ans. Il a officiellement pris ses fonctions comme à l'hôtel de ville, comme gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est jeudi 18 janvier 2024. C'est lui, c'est Monsieur Gekoko Mulumba. Encore une fois, merci de suivre ce grand rendez-vous d'actualité. Le président de la République réélu par la Commission électorale nationale indépendante, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la réélection pour un second mandat a été proclamé et publié et confirmé par la Cour constitutionnelle. Il est vainqueur des élections du 20 décembre. Sans changement de dernière minute, il prêtera serment devant la juridiction, devant les Congolais, ce 20 janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution. Pendant ce temps, Kinshasa lance les préparatifs. Soixante-troisième anniversaire de l'assassinat de l'héros national Lumumba, Patrice Emery Lumumba. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a appelé à l'acte important qu'a posé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les rapatriements de ses reliques en République démocratique du Congo. Suivez. Après Laurent-Désiré Kabila le 16 janvier, c'est le tour de Patrice Emery Lumumba de recevoir les hommages du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Ce mercredi 17 janvier, jour commémoratif de l'assassinat du tout Premier ministre de la République démocratique du Congo. 63 ans après, les Congolais se souviennent du combat mené par les dignes fils du pays pour l'accession de la RDC à sa souveraineté nationale et internationale. On rappelle ces héros que nous avons, Patrice Emery Lumumba, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Et ici, je viens d'abord au nom du gouvernement pour l'honorer, mais surtout rappeler cet acte important posé par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui aura permis le retour de ce héros national sur la terre de ses ancêtres. L'année passée, nous avons été ici pour commémorer ce premier anniversaire depuis son retour. Aujourd'hui, il était de bon aloi que nous revenions pour l'honorer. Et pour moi, c'est un double honneur parce que j'honore le premier d'entre nous, le premier ministre de la République démocratique du Congo. Ici, je souhaite vraiment que son sacrifice soit connu de tous, qu'il soit un exemple pour notre jeunesse, pour tous les Congolaises et les Congolais, en ce qui concerne notre pays, notre indépendance et surtout notre avenir glorieux. Il a dit le Congo doit écrire son histoire et je pense que c'est ce à quoi nous sommes à l'œuvre maintenant. En présence de quelques membres du gouvernement, des diverses personnalités politiques, de la société civile et de membres de la famille Lumumba, ainsi que de la fondation Mosée Laurent-Désiré. Et les partisans du mouvement national de Lumumba, créé par le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, ont adressé un message de l'unité nationale pour pérenniser la vision de Lumumba. C'était ce 17 janvier 2024 à l'échangeur de Limete. Suivez. Ces partisans de Lumumba appellent l'élite congolaise, les leaders politiques, à promouvoir la démocratie et la liberté pour honorer la mémoire du tout premier ministre congolais. Tout Congolais se souviendra toujours de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, dans la justice et la paix retrouvée. À ce sens, mettre à profit les expériences héroïques de la lutte
contre la colonisation. La même lutte dont la résultante est le soubassement de la démocratie. Quoique l'État de Sèche cherche à priver à la génération d'appeler l'indépendance ce gigantesque patrimoine. Ainsi, le lumumbisme doit devenir la grande préoccupation de chacun de nous. Défendre le lumumbisme, c'est aussi lutter pour l'unité nationale de tous les progressistes autour de l'idéal commun qui consiste à libérer le peuple congolais de toutes les servitudes. Nous, membres du MCL, chapeautés par François Emery Tolenga Lumumba, invitons le peuple congolais à résister pour la promotion de la démocratie comme l'ont fait ceux de nos compatriotes qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. La famille politique de Patrice Emery Lumumba exhorte également la jeunesse congolaise à s'imprégner de valeurs idéologiques. C'est dans la province du Haut-Katanga que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Voilà pourquoi on vous propose la découverte de Chilantembo, lieu d'exécution du premier ministre de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. Au Katanga, à la découverte de Chilantembo, lieu d'exécution de Patrice Emery Lumumba, à 50 km de la ville de Lubumbashi sur la route Likasi. Une fois arrivé dans ce site de Lumumba, la première des choses qui vous frappe à l'œil, c'est cet avion avec la photo de Lumumba et des écrits du premier ministre et héros national. En face de l'aérodrome, il y a les mausolées, là où beaucoup de gens viennent visiter. C'est sur cet arbre que Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Juste à côté, les monuments de Patrice Emery Lumumba mis en place devant les mausolées. Ce 17 janvier, plusieurs personnes venues de plusieurs coins du pays étaient donc là pour visiter ces mausolées qui est tellement vitrées. Derrière les mausolées, on retrouve les statues de ses deux compagnons qui, eux aussi, avaient été ligotés avant d'être abattus. À gauche, au pied des stalles, c'est Maurice Polo et à droite vers celui de Joseph Okito et une autre alliée conduit vers la statue de Musée Laurent Désiré Kabila. Tous ces ouvrages sont entourés des arbres qui donnent de l'ombrage. D'après les autorités de la province du Haut-Katanga, ce site touristique sera un endroit où les vraies histoires de la République démocratique du Congo sera expliquées aux touristes. Je l'ai annoncé dans les sommaires, il a officiellement pris ses fonctions ce jeudi 18 janvier 2024 comme gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa. L'arrivée au cabinet de son Excellence Gérard Jekoko Mulumba, sans faire une quelconque déclaration, le gouverneur AI de la ville-province de Kinshasa, il était ovationné par les cadres et agents de l'administration de l'hôtel de ville de Kinshasa ainsi que la population kinoise spontanément réunie. On reviendra dans nos prochaines éditions. Nicolas Mboso, président national du parti politique CRD, a exprimé sa fidélité au président Tshisekedi et mobilise les militants de l'Union sacrée pour l'investiture du chef de l'État prévue ce 20 janvier 2024. Plus de détails avec Noéla Bolombo. Le processus électoral reste au cœur des activités de la Convention pour la République et démocratie CRD en sigle en ces débuts d'année 2024. Une fois de plus, le président national AI Nicolas Mboso a échangé avec l'état-major autour des résultats du scrutin de 20 décembre dernier publié par la CENI. Dans une ambiance de convivialité comme à l'accoutumée, les cadres de ces regroupements politiques en ces jours mémorables du 17 janvier ont travaillé sur les questions de l'ère.
accompagné par le secrétaire général adjoint du parti Jean-Cy Diaoya, Nicolas Mbosso, président AI de ce grand parti politique, la CRD, exprime la fidélité au président de la République et mobilise les militants pour son investiture prévue le 20 janvier en cours. Soutenant les valeurs républicaines, le parti cher du président Mbosso Kodiapuanga saisira les instances habilitées en vue de trouver gain de cause eu égard aux résultats des législatives. Il n'a cessé outre mesure de marteler sur l'attachement de la CRD aux actions de Félix Tshisekedi, chef de l'État. Il y a un peuple congolais en général, mais en particulier, les militants de la CRD sont à la Kibien. L'élection, le PCBIS, le résultat, il y a un candidat au bazar nous provisoirement et considéré comme élu provisoirement dans les nationaux. Alors, au niveau national. Alors, nous, comme il y a un processus, il y a électoralité. Nous allons continuer. Ce qui va litiger, c'est qu'il y a un cours constitutionnel pour qu'il y ait un droit à la Tous en a kimia. Topé sa fachi, confiance. Topé sa ba institution en boka, confiance. CRD tika la kimia. Les 20 awa, les 20, tout ça la ki choix. Yako investir fachi na biso, na union sacrée comme candidat na biso, président. A gagner ben l'élection. Si on a investi les 20 awa, bana CND, bana Congo, bana Union Sacrée, to indisa. Toza na chouate. Fachi aza espoir na biso nyonso. Et devant les sièges des mouvements de libération du Congo, des mouvements de libération du Congo, s'il vous plaît, MLC, parti cher de Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est mercredi, les militants étaient devant leurs installations pour contester les sièges au Parlement. Ils se posent des questions, comment MLC peut avoir 3 députés à Kinshasa. Suivez. Vous l'avez remarqué, nous sommes devant les sièges du MLC où les militants sont en train de contester les sièges. Comment expliquer un parti comme le MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo qui tient sa mobima avec sa 3 députés? Ça s'est fait où, papa? Si c'est un beau frère Bakumba avec 21 000 voix, papa, même vous-même, quelqu'un qui est sorti avec 21 000 voix, mais il n'est pas élu, ça s'est fait où? On va parler du sport dans ce journal. À l'issue d'un match dominé par la République démocratique du Congo, les hommes de Sébastien Desabre n'ont pas réussi pas à faire la différence face à l'équipe des Zambie. Suivez. Dès la 4e minute de jeu, Bongonda a allumé les premiers pétards pour la République démocratique du Congo, 3-0. Après leur match face à la Zambie, les sélectionneurs des Léopards, Sébastien Desabre et quelques joueurs de l'équipe nationale ont réagi, propos recueillis par Naomi Ouma. On avait à cœur de bien rentrer dans la compétition et d'arracher cette victoire. Maintenant, ça n'a pas été le cas, mais le contenu était là. Voilà, on a fait cette petite erreur où on prend le but, mais sur l'ensemble du match, on est très consistant, on est cohérent. On travaille ensemble, on défend ensemble, on s'est créé pas mal de situations. Le plus dur dans le foot, comme on dit, c'est de marquer des buts. Là, on n'a pas réussi à le faire, mais on s'est créé les situations qu'il fallait. Il faut garder ça, il faut continuer à travailler et on va finir par avoir des victoires. La CAN, c'est le premier match de nous, c'est très difficile, mais on reste tête haute.
On va continuer à travailler, on va regarder les vidéos. Après la prochaine match, on va voir. C'est ça que je dis, c'est manque de concentration. Parce que la CAN, il faut être concentré. Première mi-temps jusqu'à dernière minute. On a pris beaucoup d'occasions, mais finition, on n'a pas mis. Mais on ne va pas baisser notre bras. On va continuer à travailler, on va reposer. Après demain, on va continuer à bosser. J'espère la prochaine match. Premier match, première finale, on a pris un point. Le plus important, on va continuer à travailler. Ça reste encore des finales. Ouais, bah oui, c'est forcément décevant de commencer la compétition comme ça. Surtout qu'on n'a pas trop été mis en danger sur le match. Après, c'est comme le coach l'a dit, c'est l'expérience qui rentre. J'aurais pu essayer de conserver le ballon après l'avoir sorti pour pas qu'il puisse la remettre en jeu plus rapidement. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Là, on est concentré sur le prochain match. On n'a pas perdu, on a pris un point, il reste deux matchs. On sait que si on gagne un match, on sera qualifié. Du coup, on est vraiment concentré sur ça. Effectivement, on a eu beaucoup d'occasions, on a fait une erreur. Malheureusement, on a pris le but sur la seule erreur qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas concédé d'occasion. Je pense qu'on a bien joué au football, on a montré une bonne image du football congolais. Après, on a pêché effectivement dans la finition, on a fait rentrer plusieurs attaquants, mais ça n'a pas suffi, c'est comme ça, c'est le football. Il faut maintenant se concentrer sur les prochaines séances. Ça nous ouvre la porte à deux finales et on va essayer de répéter la même production de jeu avec un peu plus d'efficacité pour gagner les matchs. Merci. C'était un plaisir de vous présenter ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame Messier, c'est ici que nous tirons complètement les rideaux de la présentation de ce grand rendez-vous d'actualité. Un grand merci à Christian Touré-Moukendi qui est à la réalisation. Un grand merci à vous, fidèles téléspectateurs, pour la fidélité. Restez branchés. Bye bye.